Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Axelus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode je ne sais combien de la série Tremor Mode en compagnie de Keizo. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui on se trouve un petit peu à l'ancienne avec des petites torches. Tac tac. On va essayer d'illuminer tout ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour le petit boss, le petit Skeletron. Voilà donc. Le premier boss de la... Enfin le... À l'époque où j'ai commencé le jeu, c'était The Boss. Hein. Donc, ouais, c'était le dernier, ouais. C'était l'ultime boss. Bon, hop. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il a évolué. Avec les mods, un peu. Bon, ça devrait pas trop être dur. Ouais. Hop. J'ai un peu de mana, moi. Ah, il faudrait peut-être que j'invoque mes chauves-souris. Bon, après, c'est pas... Hop, clac. Ah non, c'est vrai que c'est... Clac, clac. C'est plus les chauves-souris maintenant, c'est vrai. C'est ce serait cool qu'on drop le petit trophée, ben voilà. Ah bah le trophée dès le début, ça c'est bien. Nickel. Oh, je sais pas du tout c'est quoi ça. Tiens, tu me diras. Kerset. Kersoul, ah c'est un matériau. Hop, ben je vais mettre son crâne. Tiens, hop. On va aller regarder ça. Ben, le temps que tu rates ça, moi, hop. Je me rends directement dedans. Je t'attends à l'intérieur. Hop. L'intérieur du donjon. Alors, pour faire une armure. Une armure. Ah, un boomerang. 24 de dégâts. Ça, c'est quoi ça? Une espèce d'équipement pour les alchimistes. Ah, sympa. Et ah, on peut faire une clé pour invoquer maintenant le squelettron. Ça sert à faire une clé pour invoquer le squelettron aussi. Ah non, du coup, il y a moyen de l'avoir. Ouais, maintenant, bah ouais, parce qu'avant, tu te souviens, il fallait avoir le. Ouais, la popée voodoo du. Ouais, et après, sacrifier le. Du tailleur, et puis attaquer le tailleur en ayant la poupée. Ouais. Donc là maintenant, avec cet item-là et 25 d'os, on peut fabriquer de quoi l'invoquer. Ça, c'est cool. Il y avait un magicien, tiens. Une sorte de magicien un peu particulier. Tu me dis quand t'as fini. Hop, c'est bon. J'y suis. Je suis un tout petit peu enfoncé, pas grand-chose. Il y a juste une salle avec un coffre. Je suis au-dessus, là. Torché. T'as pas de torche? Si, j'ai de torche, juste que j'ai pas le réflexe. Mais t'as raison de faire ça. Ah ouais, il n'y a pas de hop, clé. Donc oui. Hop. Tu as entièrement raison. Voilà, hop. C'est torché. Maintenant, on va pouvoir... D'ailleurs, je vais en crafter un petit peu plus des torches. Foison, hop. Ça va, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Je vais récupérer quelques bougies sur le chemin. Du coup, on a un chest ici. Hop. Ouais, ce qu'il faut, c'est marquer les gros chests là qui nécessitent les clés spéciaux. Ouais, ouais. Comme ça, après, quand on viendra, ça évitera de galérer à les retrouver. Attends, oula, c'est un monstre, ça. Ouais. Oula. Il est hyper rapide, le truc. Il y a des pinces de scorpion, le bougre. Passé. What? Et... Il traverse les murs et tout, c'est hyper pété. Wouah, effectivement. Ah, il a lâché une sorte de bouclier ou je sais pas quoi, je sais pas si c'était un bonus. Necro shield, tiens, vas-y, regarde. Ah, c'est un accessoire. Ouais. Bon, bah écoute. Je le prends. On va voir, hein, on verra s'il peut être... Oh, tiens. Coucou toi, on aura besoin de toi plus tard. Hop. Ah ouais. Parce qu'on prévoit de faire tout un champ de téléporteurs sur toute la map. Ouais. Donc vraiment avoir. C'est pas elle qui vend le téléporteur, elle vend que les câbles et tout ça. Ouais, c'est. Attends, parce que c'est trop. C'est beaucoup trop lent. Oh, il y a un passage en dessous. Je
sais pas si c'est un autre donjon ou je sais pas. Il y a un truc juste en dessous. Par contre, bon, hop, hop. On repassera avec de la TNT au pire. Ouais. C'est pas un problème. Hop, clac, clac. En plus, ouais, je ramasse de la bombe petit à petit, donc on peut repasser avec de la bombe, oui. Ah oui, oui, je récupère pas de masse de bombes. Je récupère la masse de bombes. Ouf, il y a un slime qui donne une clé. Ouais. Moi aussi j'en ai un. Hop, une golden key. J'en ai eu un aussi. Il y a un petit piège là. Hop. Voilà, j'ai évité le piège. Donc petite astuce. Laissez un maximum de blue candle quand vous êtes dans les donjons. C'est une petite astuce que je vous donne parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça arrive très souvent d'oublier ces trucs-là. En fait, le fait de les ramasser tous, ça arrive très souvent de les oublier. Puis quand vous revenez en hard mode, bah, vu que vous les avez oubliés de les remettre, et bah, au niveau du farm, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Donc, du coup, c'est un petit conseil. Voilà. J'en prends toujours qu'une ou deux. Et puis, alors, Muramasa. Potion de soin, potion une potion de marché sur l'eau, et pièces d'or. Et pour ceux qui désirent tourner dans les vidéos et venir jouer avec nous, tout simplement, le serveur Discord est là pour ça, vraiment. Genre, je le dis peut-être pas assez, mais bon, dans chaque description, normalement, il y a le Discord pour que vous puissiez nous rejoindre et il est accessible à tout le monde. Donc. Généralement, on donne les heures de tournage quelques temps avant. Donc, des fois, ça peut être une semaine, des fois, ça peut être 3 jours, des fois, ça peut être même 24 heures avant. Pardon, excuse-moi de te couper. Viens voir ce mastodon là. Ah bah il est mort. J'arrive. Trop tard. Une espèce de gros fantôme à la Ghostbusters là. Oh putain, y a un truc là, mec, il est hyper solide. Je fais du 5. C'est que t'es descendu, toi. Dungeon Keeper. Ah. Hop. Mais c'était un mob qui paraissait être du donjon là, le truc que t'as parlé. Ouais, c'était un gros fantôme, c'est... Hop. Ouais, on reverra bien. Attends, je vais me heal quand même, parce que bon... Hop, clac clac. Clac clac clac, on essaie de torcher un maximum. Ah, j'ai un coffre. Ah, c'est lui là, le mage que je te disais. Ah ouais. Trop. C'est qui tire des missiles, des lasers, là. J'entends des bruits de Magic lasers. Missile. Oh, regarde, c'est lui le ah, monstre de tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Oh, il est tellement gros, c'est abusé. Ouais, mais il a 250 de vie. Ah bah voilà, bah, c'est lui qui tire des rayons lasers. Je l'ai pas vu tirer tout à l'heure, c'est pour ça. Putain, comme il se découpe, quoi. Hop. Explo à fond. J'ai pas de. Attends, parce que là, il y a des pièges. Voilà, hop. J'ai pas de clé. Je sais pas si t'en as une. Ah, j'en ai, je crois que j'en ai une. Non, voir. Hop, hop. J'enlève les trappes parce que. Ah, il y a le même mob là, tu sais. Le gros. Ouais. De 300 PV là, qu'on avait trouvé la première fois dans le biome glace. Hop. Dynamite, les flèches. On déblaye. Ouf, il m'a droppé une. Ah non, c'est une dent, ouais. Hop. On se heal comme on peut, les amis. Clac. Oh tiens, il faut encore une nouvelle clé. Enfin, une clé tout court en fait. Tout cool. J'en ai pas cette fois. J'en ai qu'une. Est-ce que j'en ai une? Oh, je viens de ramasser un truc là. Je crois que c'est un accessoire. Je suis vraiment content que qu'il rajoute... Non, j'ai pas de clé. Qu'il rajoute un peu de contenu, même au niveau de des donjons qui sont déjà présents, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Parce que bon, c'est sympa. C'est... Oh! Il y a une sorte de fantôme un peu rapide. Juste en dessous là. Tu le vois là? Ouais.
village du topaz. Yes. Oh, il y a masse de clés là. Ouais, wow, et il y a plein de nouveaux mondes en vrai. Ouais, ouais. Là, il y a un truc y a tout jaune là. Jaune là, ouais, il saute de partout. Ouais, pareil, c'est... il passe à travers les murs. C'est n'importe quoi. Oh, j'ai récupéré 4 clés. Dans toute l'embrouille qu'il y a eu là. Hop, clac. Il y a de la TNT. Hop. Et il y a des potions de spéléo. Je sais pas si tu les veux. Non, non. Des barres de tungstène, on s'en fiche un peu. On les gardera plus tard quand on sera dans les. Pour, Ouh, il y a du monde en dessous là. Il y a du monde en dessous là. Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais jeter? Bon, un truc de. Ça, on s'en fiche. Les diamants, tout ça. Il y a moyen d'en miner, je pense. On va pas s'encombrer pour l'instant avec ça. Ça, on s'en fiche un peu. Ça, je garde. Ah, le tailleur est arrivé. Le trophée, je garde, c'est important. Hop. Ah, il y a plein de trucs qui volent partout là en plus. Je sais pas si. Est-ce que j'avais radé là? Ouais. Ah, un squelette volant. Ah, attends, par là, il y a une. Oh non, il y a rien. On avait été par là ou. Je ne sais plus. Je sais pas. Non. Qu'il faut. J'ai l'impression qu'il pop sous mes faces, quoi, les mobs. Il y a un coffre spécial, alors je vais torcher toute la salle. Enfin, je vais torcher tout autour du coffre. On craft à foison, histoire d'avoir un maximum de torches. Ah oui, d'accord. Effectivement. Effectivement, il y a un petit coffre, quoi. Ah, plus de torches. Hop, bon, ce genre de petites salles. J'ai jamais compris pourquoi. Je sais que bon, les formations de donjons, c'est un peu du bullshit, mais bon. De là à créer tout le temps des portes qui mènent à rien, quoi. Oui. On est chez les Winchester. Ah, une clé. Un œil du Cthulhu. Ok. Ah, la soudeuse d'ost. Ça, c'est sympa, ça. Pour faire des crafts d'os. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, il y a la Keyblade première version que j'ai drop là. Elle drop une première version de la Keyblade, c'est rigolo. Alors c'est la cake knife, genre la clé ouais, couteau. La clé épée, ouais. La clé couteau. Comme dans Kingdom Hearts. C'est ça. T'as récupéré du coup la clé qui était dans le petit coffre là, à droite du coffre que t'as torché. Ouais, je l'ai pris. Un yo-yo, tiens. Hop, pourquoi pas. Clac. T'en es où au niveau de ton inventaire là? Je suis plein. Vas-y, attends. Faudrait qu'on se mette safe. Vas-y, viens, on se mette derrière la porte là. Hop. Tiens, vas-y, vite toi. Ah oui, d'accord. Super, merci. Tac, je vide tous les trucs qui semblent être importants. Après, je vais faire un déblayage. Ça, je sais pas si. Bon, garde l'argent. Du corps. Clac, clac, le trophée. Bon, hop, les bombes, je pense que je vais m'en débarrasser. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça aussi. Bon, hop, voilà. Tac. On sort de la piggy bank, ça je vide. Flipper, on s'en fiche. Ça, par contre, les petites potions de heal, on en a besoin. Hop. Ça, j'en aurais besoin peut-être. Donc, hop, clac. T'es en train de vider, mais avec tout ce que je tue là, il va vite se remplir l'inventaire. Oh, ça va. Oh, attends, c'est quoi ça? Aïe. Là-haut. Cave golem. Allez voir ce qu'il donne. Vas-y. Oh! Oh, la Colossus! C'est quoi cette épée là? Colossus Sword. C'est la Colossus. Putain, elle est énorme. Est-ce que, du coup, la question qui est là, c'est est-ce que plus on s'enfonce dans le donjon, plus les mobs sont nouveaux? Oui, parce que, en fait, t'as plusieurs couches dans le donjon. Regarde le décor de derrière, des fois il change et selon qu'il y a, il y a des mobs différents. Ouais, du coup, plus on s'enfonce dans le donjon.
Juste les mobs différents apparaissent. C'est ça. Je sais que c'était comme ça par rapport au. Au. Bah, du coup, hard mode. Ah, il y a. Un famoso. Petite chest. Ah, ça tire, tiens. Il y a le Ghostbuster qui arrive. On dirait un mélange un peu entre un. L'œil du Cthulhu et autre chose, je sais pas quoi. Ouais. Ah, au final, il est juste gros, quoi, il a rien de spécial. C'est ça. Après, c'est sympa, hein. Moi, je suis pas contre des mobs qui soient plus gros, quoi, parce qu'à chaque fois, dans Terraria, ils ont toujours l'habitude de faire des mobs assez petits, quoi. Ouais, bon, hormis les boss, quoi. Ouais, hormis les boss. Mais en règle générale, c'est plutôt des trucs rachitiques, quoi. Hop, on passait par là-haut. Putain, j'ai déjà plus de torches quasiment. Mine de rien, il est vachement grand. Si je peux t'en fournir des torches. Hein. Non, c'est bon, j'ai de quoi faire. Il y avait un coffre à droite là. Ah, il y avait le coffre spécial aussi. Je pense qu'on va se rejoindre là, de toute façon. Vu comment ça part. Ouais. Non, c'est une pièce vide. T'es parti au-dessus. Ah. Attends, bah, au pire, je vous ferai chemin arrière. Je me tais pas toi directement, au pire. Je te laisse le coffre, vas-y. Hop. Oui, il y a un petit coffre, effectivement. Oh, il y a une clé des enfers. Ça, c'est cool. Ouais. Pour continuer l'aventure. Bah, c'est cool, sachant que ça va être la prochaine vidéo, quoi. Ouais, sachant que dans la prochaine vidéo, on va directement en enfer, parce qu'il y a un nouveau boss qui va arriver. Ouais, le Hit of War World des enfers. Ouais, niveau originalité des pseudos, bon, c'était pas trop terrible, mais bon. Ouais, au moins, il y a des boss en plus, quoi. Ils auraient pu trouver mieux, ouais, c'est vrai, au niveau des noms. Le Hitter of War des enfers, le Hitter of War de la jungle, le Hitter of War de... Pourtant, c'est pas dur de trouver un nom adéquat. Magma Snake. C'est ça. C'est pas mal, ça. Ça envoie, ça. Ouais. The Magma Snake. Du coup... C'est la fin, là, non? Ça descend encore, hein. Ah ouais. Si tu veux. On a trouvé combien de coffres spéciaux là? Parce qu'il y en a 5 au total. Je crois qu'on en a trouvé. Ouais, je crois qu'on a trouvé 4. Bah, il y a corruption. Ah oui, mais il y a le corruption, crimson, le sacré, la jungle, la glace, 5. Ah, il y a un truc d'invocation là, je crois. Ou d'alchimie. C'est la table d'alchimie. C'est la chimie. Ils ont vraiment beaucoup de PV ces mobs là. Il est énorme le donjon. Oh, viens voir. Oh, ce big slime. What? Oh, il y a un livre à l'intérieur. Il a un livre. Bah, écoute, à toi l'honneur. Hein. Et... Alors, tu le loot? Chapeau magique seulement, non, j'ai rien loot. Ah, dommage. Je pense qu'il doit être le loot, hein, sans doute. Possible. On va essayer d'en drop un autre. Chapeau magique, plus 7% de dégâts magiques et de chance de coup critique. Hein, c'est intéressant. Mais bon, je joue pas en magicien, c'est juste un petit plus. Potion de trou de verre. Clac. Oh, le shield. C'est cool ça par contre. Ah oui, pour se faire le... Ouais. Ça c'est vraiment cool. Là du coup ça menait un cul-de-sac. Hop. Ah, c'est vraiment énorme. Ouais, pour un monde qui est censé être moyen. Mais il est moyen, ouais. Franchement, le donjon est vraiment grand. Ah, ah bah voilà. Tu vois, hop là, un autre coffre. Je crois que c'est le quatrième, non? Attends, je vais te dire ça. Alors, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, c'est le quatrième. Ah. Hop. Pareil, il y en a un nouveau. Voilà, pas encore une seule qui mène à rien. Au niveau des clés, j'ai ce qu'il faut. J'en ai encore combien? 6, ouais, j'ai ce qu'il faut. Moi j'en ai 3 si t'as besoin. Hein. Ouais, ça va pour l'instant. J'ai ce qu'il faut. Hop. Oh, c'est bon, ça se voit. Cul-de-sac en... Cul-de-sac? Ouais, avec un flingue à l'intérieur. Hop, toi tu t'en vas. Faudrait qu'on trouve, tu sais, la table de... pour les minions. Je sais pas si... Ah ouais.
Normal, elle est là. Elle est censée être là, en fait. Même. Ah, tiens, ah bon. Colossus. Encore un Colossus Lord. Voilà sa table d'alchimie. On va passer par le haut. Je passe par le bas. Ah. On va peut-être se rejoindre. Ouais, c'est pas impossible. Bah voilà. Ouais. Ah, mais je crois que cette fois on a fait vraiment le tour. Non, il y a encore un truc creux en bas là. Ouais. Il y a un passage, effectivement. On est passé juste au-dessus d'un truc un peu vide. Alors, en fait, il est pas mal ce livre là que nous donne le Jellyfish. Il est sympa. Ah ouais? À l'impact, en fait, ça génère une petite explosion qui fait mal à tous les mobs autour. Ouais, c'est genre une sorte de lance-patate magique, quoi. Ouais. Ouf, ah oui, il y a du coffre là. Mais écoute... Ah bah, elle est là, la table des minions, c'est celle-là? Ah oui, c'est celle-là, ouais. Hop là. À ton honneur, écoute. Ah merde, par contre, j'ai oublié de. Bon, ça, on fiche. J'ai oublié de m'en servir avant de la récolter. Tac. Tac. Voilà. Bon, une potion de spéléo, je dis pourquoi pas. Ça on s'en hop fiche. Là. Là en plus. On s'en fiche. Ça on s'en fiche. Le Gravity Potion. Oui, pourquoi pas. Missile magique. Ouais, regardez. Ah ouais. Hop, attends, j'ouvre celui-là. Loot Hall. Bon, ça on s'en fiche. Bon. Hop. Je crois que j'ai pas looté le coffre ici. Non, ouais. J'avais pas looté. Hop. Potion de téléportation. Clac, clac. Mais il est si profond que ça, c'est abusé. Ouais. Arrêtez les mobs là. T'sais, ça sert plus à rien de récupérer des coffres maintenant. Ouais, ouais. J'en avais ramassé, mais. Je pense que là, on remonte là. Ouais. On remonte ici. Ok. Ok. Bon, écoute. Continue à descendre. Toi, tu vas pas faire ton ménage. Ah, on arrive au fond. Ah non, ah. Ça continue. Il y a un autre truc en bas. Ah, mais c'est un autre donjon. Ah, mais c'est un donjon de. Ah, comment il s'appelle? Du dragon ancien. Du dragon. De l'ancien dragon. Ouais, il y a des donjons qui se mélangent. Mais il me semble qu'il y en avait un aussi un peu plus tôt. De donjon, comme ça. Qu'on creuse pour aller vite fait. Oh non, je t'en ai pas besoin. Non. On le fera peut-être en off si jamais. Ouais. Si on veut farmer un peu plus. Attends, juste voir au niveau de la map si on a tout découvert au niveau du donjon. Donc là, tout est découvert. Là, du coup, oui. Oui. J'aimerais bien. Ah, peut-être. Ouais, après là. Ah, quoique. Quoi? Ici, un endroit où je suis pas descendu. Mais bon, ça doit déboucher sur un autre truc parce que là ça va être une salle renfermée. Et puis ici aussi, parce que vu que ça peut-être mener à une petite zone ici, là, mais ici il y a aussi des trucs de mine. Donc bon, j'imagine que c'est des salles, c'est des petits cul-de-sac. Ça doit pas être plus. Bon, ben voilà, une bonne petite visite. Ouais, ici il y a un biome granit, ouais, c'est bien ce que je me disais. Et ici il y a un autre biome, enfin un autre donjon d'anciens. D'anciens, je sais pas quoi là. Ancien dragon. D'anciens dragons. Bon, bah écoute, on va pouvoir remonter à la surface. Hein. Clac. Je on rentre juste... à la maison. Je vais juste regarder un truc. On va aller fixer le nouveau trophée. Je suis content de l'avoir drop direct. Ça ouais. Doit être. Oui, il est dans la tirelire, c'est vrai. Hop. Dans la tirelire. Clac. Et on le met directement dans les boss. Pour cet endroit là, hop, voilà, boss de terrain normal. Donc du coup, dans le prochain épisode, on se retrouvera direction les enfers. Donc je sais pas si j'avais déjà présenté dans l'un des derniers épisodes, mais on avait pour objectif de descendre, voilà, donc on l'avait déjà monté, le moyen pour aller directement en enfer, il est crafté. Donc dans le prochain épisode, on se retrouve ici. Je pense qu'entre temps, on va aménager, je pense, une mini maison, vraiment un truc minime, hein. Pas encore fou,
Et on va essayer de faire un petit truc entre deux épisodes juste pour qu'on puisse installer un petit lit en enfer là, juste ici. Donc du coup, on se retrouve tout simplement pour le prochain épisode. Sur ce, eh bien moi je vous dis ciao, salut à tous, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.